L'international français, blessé depuis plus de 3 mois, est de nouveau apte à jouer avec le Barça. Une bonne nouvelle, pour débuter 2018. Touché à la cuisse gauche, le 16 septembre dernier contre Getafe, Ousmane Dembélé entrevoit enfin le bout du tunnel, puisqu'il a été jugé apte à rejouer par le staff médical du Barça. Désormais, son retour à la compétition n'appartient plus qu'au choix de son coach, Ernesto Valverde, bien heureux de pouvoir à nouveau compter sur la recrue la plus chère de l'histoire du club catalan, 105 000 euros plus 42 000 euros de bonus depuis l'été dernier. Dans son communiqué dévoilé mardi en début de soirée, le FC Barcelone précise que l'international français, opéré en Finlande, a repris l'entraînement avec l'ensemble du groupe et se trouve à la disposition de son coach, le tout agrémenté de la formule Dembélé is back, Dembélé de retour. Selon toute vraisemblance, il devrait faire partie du groupe lors du déplacement à Vigo face au Celta jeudi prochain en Coupe d'Espagne, sans doute sur le banc des remplaçants. Sans surprise, aucun risque ne sera pris par le staff catalan, soucieux de ménager un élément qui fera du bien dans la rotation offensive de l'actuel leader du championnat espagnol. Il peut jouer. Sa blessure a été un coup dur pour nous comme pour lui, estimait d'ailleurs Valverde lundi en conférence de presse. Durant sa convalescence, l'ancien Rennais avait annoncé son retour sur les pelouses avant la fin de l'année, avant finalement de se montrer plus patient, à l'image de son club, et de ne prendre aucun risque. Si durant son absence, le Barça est resté un solide leader de la Liga et a obtenu sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le retour de Dembélé, à un moment de la saison qui comptera forcément, est accueilli avec un large sourire du côté du Camp Nou. Notamment en vue de la double confrontation attendue face à Chelsea en Coupe d'Europe. Outre Barcelone et le principal intéressé, Didier Deschamps doit forcément se réjouir d'une telle nouvelle. Le sélectionneur de l'équipe de France, qui se souvient encore de la prestation XXL de l'ailier de 20 ans contre l'Angleterre en juin dernier au Stade de France, victoire 3-2 avec un but de Dembélé, compte plus que jamais sur lui en vue de la Coupe du Monde en Russie. Son retour pourrait lui permettre de retrouver les Bleus lors du prochain rassemblement et les matchs amicaux face à la Colombie, 23 mars, et la Russie, 27 mars.